La maison de santé de Hundelin, c'est un an et demi d'existence, 2500 patients accueillis et soignés, et une équipe de professionnels pluridisciplinaires. On est déjà donc trois médecins généralistes, plus des professions paramédicales, un kinésithérapeute, un cabinet infirmier, et un bureau qui est occupé par une psychologue à mi-temps, une diététicienne et une ostéopathe qui vient une fois par semaine. Mais un dernier bureau reste vacant, qui pourrait accueillir une autre profession paramédicale. Telle une orthophoniste par exemple ou un pédicure-podologue qui sont des demandes assez récurrentes de nos patients. De quoi compléter l'équipe pour une continuité des soins et une meilleure prise en charge. Et chaque patient qu'on prend en tout cas en commun, qu'on prend en charge en commun dans la maison de santé, on en discute beaucoup entre nous. Enfin, c'est l'avantage en tout cas de travailler ici, c'est-à-dire qu'on peut en discuter, on a des locaux communs, donc on fait des réunions pour discuter justement des dossiers un petit peu difficiles. La structure sent encore le neuf et a de multiples avantages, comme la possibilité d'accueillir des internes ou encore de proposer des projets de santé à grande échelle, comme des journées de dépistage Covid ou encore de la vaccination.